bienvenue, chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau dans une nouvelle interview. Et nous poursuivons, la Web TV poursuit sa couverture de la 5e édition des travaux du Salon international du BTP. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir comme invité dans la Web TV du ministère M. Mohamed Liousfi, directeur du pôle technique de l'Agence nationale des ports. Bienvenue, monsieur, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci pour votre invitation. Donc, Monsieur Liousfi, la deuxième journée du salon est marquée par l'organisation d'une après-midi thématique à laquelle vont participer l'ensemble des établissements publics du ministère. Quelle est la nature de la participation de l'AMP dans cette après-midi thématique? Alors, en fait, comme tous les intervenants dans cet après-midi, donc, l'Agence nationale des ports a préparé une présentation dans laquelle donc, elle va dérouler tous les projets qu'elle compte réaliser au niveau de l'année 2018. Bien sûr, ce sont des projets qui intéressent tous les intervenants dans le secteur du bâtiment, que ce soit ceux qui interviennent au niveau de l'ingénierie, donc fréquemment appelés les bureaux d'études, et bien sûr ceux qui réalisent les projets, qui sont bien sûr les entreprises. Mm-hmm. Donc ceci nous mène à parler des projets phares qui seront lancés par l'AMP au titre de l'année 2018. Et on va les citer brièvement quand même. D'accord. Je rappelle tout d'abord que en fait, la programmation qui est faite au niveau de l'Agence nationale des ports, donc elle est faite suite à une bien sûr, analyse, suite à une programmation qui est basé sur une planification qui est stratégique. D'accord. Donc je rappelle en ce sens que le quinquennat donc, qui va venir, donc 2018-2022, c'est un quinquennat qui va donc connaître donc, la mise en place d'un budget qui en fait, est à la hauteur de 6 milliards de dirhams. Donc plus précisément 5,8 milliards de dirhams. Et spécialement donc, pour l'année 2018, une enveloppe de 2,7 milliards de dirhams. D'accord. En fait, ce genre de projet, ça intéresse en fait tous les volets du PTP. Principalement, c'est le portuaire, c'est normal, nous sommes une agence qui gère les ports. Et bien sûr, tout ce qui a trait au projet de voirie, d'assainissement, d'eau potable, de bâtiments et autres travaux donc, du BTP. Quels sont les ports futurs? En fait, pour les projets futurs, j'ai en fait les catégoriser. Tout d'abord, donc, avec le ministère, bien sûr, donc, on participe à la déclinaison de la vision 2030. D'accord. Dans ce sens, je rappelle un petit peu comment intervient l'Agence nationale des ports. Mmh. Donc vous avez le ministère qui réalise tout ce qui est nouveau port. Okay. Une fois réalisé, donc il les donne, il l'a arrêté à l'Agence nationale des ports, d'accord, qui assure et leur exploitation et bien sûr le développement. Le développement au sein donc, de l'espace domaine public portuaire. Donc ce développement consiste soit en la réalisation d'opérations nouvelles, construction de nouveaux quais, nouveaux terre-pleins, et bien sûr tout ce qui est maintenance et entretien de ces ouvrages d'accostage. On fait donc également, mais rarement, donc une intervention sur les ouvrages de protection des ports, qui sont les digues, soit par le comportement, que ce soit des opérations qui sont lourdes, donc carrément les grosses réparations, que ce soit des opérations d'entretien, sinon leur prolongement, si bien sûr les conditions d'exploitation portuaire le demandent. Au sein, donc, pour tout ce qui est donc projet phare qui sont prévus au niveau de l'année 2018, nous avons également, bien sûr, la continuité de la réalisation des travaux qui font partie du grand projet 800 Casaport. D'accord. Et d'autres qui est bien sûr, comme le terme l'indique, ça se passe au niveau du port de Casablanca. Mmh. Et bien sûr, d'autres opérations, donc que ce soit de développement, donc réalisation de nouveaux ports, de nouveaux quais, pardon. Mmh. Exemple, le port des Guédir. D'accord. Là, des opérations donc, d'entretien et de maintenance au niveau de presque toutes les régions portuaires. Donc, pour ce qui est du projet 800 Casaport, donc on va continuer donc les travaux de réalisation du nouveau chantier naval de Casablanca. Donc c'est un projet dont toutes ses composantes, il fait un peu plus que 2 milliards de dirhams. Donc il nous reste à faire donc, tout ce qui est donc, équipement de la cale sèche du port, acquisition de l'élévateur à bateau, viabilisation des terre-pleins, donc, et l'équipement des autres composantes du chantier. Donc je donne d'autres exemples de projets qui ne font pas partie de Casaport. Donc je m'oriente vers d'autres ports. Par exemple au niveau du port de Hosima, donc nous avions déjà terminé donc, la réalisation d'une zone de plaisance au sein du port. Donc à partir de 2018, on sera dans la continuité qui est bien sûr tout ce qui est donc valorisation de l'espace qui est donc attenant à cet espace de plaisance par la construction de bâtiments administratifs et de tout ce qui va avec la plaisance, restaurants, zones de loisirs et tout ce qui va avec. D'autres projets phares, donc nous sommes dans la continuité de ce qu'on est en train de faire au niveau du port des Saint-Véra. Donc on a déjà commencé son réaménagement, donc un réaménagement au sens large du terme, un agrandissement de terre-plein, une revue donc de tout le schéma des bassins portuaires pour permettre aux pêcheurs donc de vivre et d'exercer leur,
fait leur métier dans des conditions. D'accord, monsieur, pour rester fidèle à la thématique du salon, oui. Quand on parle d'infrastructure portuaire, on parle de bâtiments, de construction. Oui. Quelle est la part ou la présence de l'entreprise marocaine dans la réalisation de ces projets, c'est par l'AMT? C'est une question qui est très importante, à plus d'un titre. Hein? Parce que spécialement tout ce qui est travaux. Est-ce qu'elle est plus ou moins satisfaisante? D'accord. Tout ce qui est travaux maritimes, la particularité, travaux maritimes et travaux portuaires, elle avait une particularité. Presque toutes les entreprises venaient d'ailleurs. Hein. Ouais. Actuellement, à Dieu merci, plus de 80% des travaux qu'on réalise mm-hmm. au niveau du secteur portuaire et maritime, il est fait par des entreprises marocaines. D'accord. Et puis, il ne faut pas tirer le chapeau uniquement pour les entreprises marocaines, mais également pour l'ingénierie marocaine. Mm-hmm. Même tout ce qui est études donc de ces opérations, là je parle des études techniques, elles sont faites en majorité également par des bureaux d'études qui sont marocains. Mm-hmm. Et les compétences qui sont marocaines. Donc dans ce sens, on se réjouit. On est parti d'une situation il y a 10 ans, 12 ans, où on avait beaucoup plus donc les entreprises étrangères et les bureaux d'études étrangers. Donc il y avait la part du Lyon dans ce secteur. Mmh. Actuellement, c'est carrément l'inverse. Donc plus de 80%, c'est le marocain. Et les petites, en fait, le petit complément entre 10 et 20% qui va donc aux étrangers. Donc comment l'AFP contribue à la création d'un climat, d'un environnement qui est favorable ou plutôt transparent pour les entreprises du BTP au niveau national? D'accord, en fait c'est une question donc, à laquelle la réponse est, elle comporte plusieurs... Elle est plus complexe. Que... Elle est un peu complexe, en fait il y a plusieurs éléments de réponse à la question. Donc tout d'abord, il faut voir un petit peu comment les projets, notamment portuaires et maritimes, se font réaliser par l'agence. La particularité dans ce secteur, c'est que l'agence, donc bien sûr, elle réalise des études techniques, mm-hmm. et s'arrête à un stade qu'on appelle l'avant-projet détaillé. D'accord. Donc il y a déjà une bonne maîtrise du projet. Mm-hmm. Il y a le nouveau règlement des marchés de l'Agence nationale des ports, donc qui garantit l'équité au niveau du choix de l'attributaire et toute la transparence dans la passation sur les commandes. Donc ça met toutes les entreprises à égalité et que le meilleur gagne. Au niveau de la réalisation, la particularité dans ce secteur, c'est que les études d'exécution se font par les entreprises. Elles se font valider par l'administration, ce qui fait que dans ce cadre de réalisation, nous sommes dans un partenariat public-privé. Donc la solution définitive de la réalisation du projet, elle se met en place de manière concertée entre les deux parties qui sont l'entreprise qui réalise, le maître d'ouvrage, qui est l'AMP dans ce cas, et bien sûr tous les bureaux d'études qui sont donc l'ingénierie du projet. Donc ce sont en fait des, on va pas dire des bébés parce que les bébés se font à deux, d'accord. mais en fait c'est des produits donc, qui se réalisent de manière concertée entre trois entités. Donc il y a une équité, mais sous la tendance quand même de la préférence nationale, c'est bien ça? Là je rappelle que dans tous les projets de l'Agence nationale des ports, donc la préférence nationale est présente mm-hmm. avec le maximum qui est permis par les textes. Donc les 15%, vous les retrouvez dans tous nos appels. D'accord. Donc par ce rappel, notre interview touche à sa fin. On vous remercie infiniment, M. Youssfi, pour d'avoir répondu à toutes nos questions. Et à la prochaine, on vous souhaite un bon salon. Et merci beaucoup. Merci à vous. Pour vous, chers téléspectateurs, vous pouvez voir ou revoir cette interview sur le site web du ministère. À la prochaine.